règles maudites. Nous marchons déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient, moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons. Nous allons au dôme, et là où nous allons, ne se trouvent que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire. Allez, Milan, la ronde des Milan. Chantonnait dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme sans nom et suivait patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait, elle recommençait. Dis-moi tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis. Référence, écho, mais le foin tendu. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou. Et plus tard, a eu l'épidémie. Chaque ville possédait 2 ou 3 de ces fous, et personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Il n'était anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme sans nom et on dit qu'il éclaire des mille à la ronde, des mille à la ronde. Je commençais à croire la fable du dôme. Quand un jour levé, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une immense boule en verre s'élevait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions, jeunes hommes et jeunes filles répétées en centaines, 2000 répliques parfaites de moi et de elle, rassemblées doucement dans la sphère en cristal, buvaient nos chalamans, les verres fluorescents, la musique martelait à 100 lieues à la ronde et l'éclairage criait les oiseaux albinos, dont les plus surprenants étaient les centaures, rouges et jaunes au milieu de la nuit stroboscope. Nous allions vers le dôme, mais là où nous allions, ne se trouvent que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt et on dit qu'il éclaire des mille à la ronde. Au-dedans rassemblés les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. On m'a dit qu'ils étaient assez jeunes et pourtant semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement. Allez, mille à la ronde.